pas juste ouvrir. Ouvrir. Je sais pas. Aujourd'hui, on fait des trucs désagréables, et voilà. Tu veux qu'on fasse des trucs désagréables? On va faire comme ça. On va faire des trucs désagréables. C'est une espèce de drogue, on peut plus s'en passer après. C'est mignon, ça. Mais on peut le stylen beaucoup. C'est quand qu'il y a un camping? On va faire de la route sur avec de voitures. Et dans 6 heures, on va aller à Bordeaux. D'accord. Pour faire un concert. C'est beau, Bordeaux. C'est jolie ville. Et avec Off Your Head et Cobaye. Oh non, pas Cobaye. T'aimes pas Cobaye? Pas les Cobayes. Babou il aime bien Cobaye, il va t'en parler. Pas trop la fusion. C'est bien Cobaye? Non. Ouais, elle est vraiment pourrave cette station. Même le truc là, ça fuit. Enfin, au prix de l'essence, ça me fait chier. Il y a les vents passés qui jouent en tête d'affiche, on voudrait vous faire jouer. Aussi, c'est un truc caritatif, machin, c'est vers Clermont-Ferrand. Damien il fait bah écoute, combien vous voulez? Damien il fait bah écoute, habituellement pour ce genre de festival, des trucs comme ça, on prend la moitié de la tête d'affiche quand on est en première partie quoi. Et le mec il fait ah ouais, bah écoute là on a eu les vents passe pas très cher, on les a eu à 6000 ou un truc comme ça. Et puis Damien lui fait bah écoute, pour on nous, en 3000. C'est caritatif, à 2000 ça sera cool. Oh là là. Oh, vous ferez les niveaux pile plein, hein, et plus vite que ça. A bientôt les copains, les copines et les autres, salut! Til, t'as pas le Jator? Hey, je m'en suis déjà fait sourire avec 5 ce soir, ça fait 2,50€ bordel de chou! Je suis même pas payé, alors on va te faire voir avec les Jator! On est pas le club Dorothée! S'il vous plaît, à 200 mètres, veuillez tourner à droite. Veuillez tourner à droite. Tournez à droite, tournez maintenant! Maintenant, tournez à droite! Juste là, on essaye de trouver la route. Alors vous arrêtez de faire les idiots. Mais j'ai juste dit. On sait que t'as fumé de la drogue, tout ça. C'est pas parce qu'il y a la caméra qu'il faut faire si le mal. Si t'es synchro avec le GPS, il est dit maintenant tourner à droite. Non. Après, c'est un mauvais exemple pour les jeunes. D'accord. Déjà, ce soir, on a eu un bon discours. Je pense qu'on a fait avancer quelque chose. On a fait avancer la scène de la Gironde. Moins fort. On a dit la médiocrité, ça suffit. Vous lirez les paroles, vous gérez, ça va aussi bien. On en parlait dans le camion en venant justement, on trouve ce qui est dommage aujourd'hui chez les jeunes, c'est toute cette culture de la médiocrité, genre oui c'est moi le plus nul, c'est moi le moins bon et tout. Essayez de faire des trucs cool, vous verrez, vos parents ils sont fiers de vous. Alors maintenant, on arrête. Qui c'est qui met des pépitos? Oui. Putain, ça fait... Bien joué, bonne phrase. Bien joué. Tout cassé. Là-haut c'est pas du tout rêvé. Ça m'étonne pas, c'est la chambre des gros nazes. Ah mais... Je me réveille, ça fait 2h30 que je suis réveillé. J'ai fait tout le tour de la zone industrielle. Avec le chepied sur les mains. Je vais me branler. Ok. Il fait ça tous les matins. On l'appelle la poutre de Bamako.
quelle saison. Ça s'enchaîne. Mort, à quoi tu sers, je t'aime encore. Bataille déjà perdue. Une histoire déjà entendue. Déjà entendu. Ce n'est pas que je crois en rien. Je crois plutôt qu'on ça me convient. Chez moi je vote pas, je vais pas chez toi car il fait trop froid. J'aurais voulu être une fleur pour pouvoir me faire arracher. J'aurais voulu être ta sœur, elle est plus raffinée. J'aurais voulu être vendeuse dans un petit marché aux puces. J'aurais voulu être chanteuse, mais pas dans Superbus. 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 On a découvert ça hier, tout marche. On est arrivé à la salle là et bon, déjà on a vu que c'était 14 euros l'entrée alors que c'était prévu normalement à 10 euros comme on en avait parlé. Et on fait pas de balance et on joue une demi-heure. Si on fait les vénères, on va casser les trucs des. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qui est prévu Du coup apparemment le but du jeu ça va être de foutre la merde. D'accord. Voilà. Donc on va voir. Hein. À mon avis, il n'y a que de la gueule pour l'instant. On verra après. Oui. On en reparle tout à l'heure. Sur le paperboard, on va faire des calculs. Alors, normalement, l'entrée était à 10 euros. Allez, 14. Pour 4 euros de plus, vous avez le droit à 40% de plus de guerriers à poubelle. Mon assiette de pâte, j'en voudrais 40% de plus aussi. La manageuse des burning, elle nous trouve un peu casse-couille sur les bords. Mais c'est normal, on en rajoute tellement. En fait, si vous voulez, le concept de notre concert ce soir, c'est salut, on fait du mauvais esprit. On a fait pareil toute l'après-midi, on est des enfoirés. On est des parisiens. En fait, si tu veux, si je te tutoie, mais vous êtes plein. On nous avait dit, ou nous on a dit, ok, on vient faire ce concert, ça va être cool, on va faire un concert avec nos copains, tout ça. Et on a dit, ok, mais pas plus de. Ta gueule. Si, nous on est venus là pour dire des trucs, pas pour chanter, tu vas en boîte si tu veux juste de la musique. On avait dit, ok, on vient si c'est pas plus de 10 euros l'entrée. Voilà, maintenant on est ici, on est un peu comme des dindons. Ça, on nous avait promis que ça allait pas faire 10 euros l'entrée. On a un peu l'impression d'avoir fait un petit peu. On m'a dit de faire n'importe quoi, alors moi je fais n'importe quoi. On va se casser parce que j'ai l'impression que Bien joué. C'est pas vrai. On mange toutes les fraises en fait. Les fraises. Ils sont gonflés, d'habitude c'est eux qui boivent nos bières. On est avec Underground Railroad. Underground Railroad. En fait, il n'y a qu'une personne dans le groupe. C'est Marion, elle fait la guitare. Et Marion Pam, pardon, Pam, son vrai nom c'est Pam. Bonjour. D'abord on aperçoit qui regarde qui parle à la plante, JB, le bassiste, et Raph, le batteur, je sais pas où il est. J'ai un groupe qui s'appelle Guerrier à Poubelle. Je joue avec ces mecs là en fait. D'accord. Et moi je suis le chanteur. Ah c'est toi Till? Ouais. D'accord. Ça c'est mon vrai nom en fait. D'accord. Till. À l'envers ça fait Lee. Presque. Ah ouais. Ouais. Avec deux L. Ouais, des fois ça m'arrive quand j'ai sommeil. Des fois, genre la nuit quoi. Bah, même des fois en journée quand j'ai bu genre de la dope. Ça t'arrive pas de boire de la dope des fois? Si, regarde. Oh, putain, t'es un fou toi. Il y a un autre mec qui parlait avec une plante tout à l'heure. Je crois qu'il est dehors. Ouais, il fait assez peur, mais vas-y, je vais te montrer. C'est ce mec là en fait. C'est un cas particulier parce que tu vas lui parler, il va te dire n'importe quoi. Vas-y, essaye. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Fifou. Moi je m'appelle Jean-Baptiste. D'accord. Je suis catholique. Ah ouais? J'étais. Et tu fais quoi en fait? Tu joues dans Guerrier à Poubelle toi? Ouais, c'est ça. Je suis batteur. Et en fait il tourne dans les films porno pour Hollywood. Ouais. Ah ouais? Ouais.
tu veux voir mon sexe? Vas-y. Ah putain, pardon. Ça y est, ça commence. Putain, je peux le regarder. Ah putain, t'as trop de poils. Tu vois? Et puis bah là on est en route pour Belfort, on va jouer avec, avec ISP aussi ce soir. C'est avec le show, il c'est fait des ISP, trucs, c'est il fait des fous. Tu joues avec ISP? Ouais. Cool. Non, toi tu joues aussi Gengal? Il m'a piqué mon jouet là en fait. À la deuxième grotte. C'est lui en fait le guignol qui filme les trucs. Mais comme j'avais soif, c'est que vous voyez jamais. Je sais pas, je me demande. C'est un... Attends, ça devient plus petit. Et donc Axel, dans l'esprit, tu décharges rien, quoi. Non, pas là. Là, le souci, tu vois, il vient de là. Tu vois, c'est le manche, comme il a mis chargé de tirant, t'as mis un tirant plus gros, en fait. C'est ça, non? Ouais, pas de beaucoup. C'était quoi qu'il y avait dessus, tu m'as dit? Ouais, mais pas de beaucoup, mais... Non, c'est du 10. C'est du... Alors, tu vois quand même, il y a quand même... 10, 46. Tu vois quand même qu'il y a une... Le manche, il est pas censé être parfaitement droit. S'il est parfaitement droit, ça fait des guitares qui sont dures à jouer. C'est bon pour le jazz ou les trucs comme ça. Le manche, il doit être très très légèrement bombé. Mais très très légèrement, c'est beaucoup moins que ça, tu vois. Babou, tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire? Là, c'est les micros. Si tu fais des balances. Des balances. Ça sert à quoi les balances? Ça sert à rien. Le truc qui sert à rien encore, comme d'hab et tout. Ah ouais. Parce que je fais un bêtis, on fait beaucoup de trucs qui servent à rien. D'accord. Pour faire croire que c'est compliqué, mais en fait... On essaye de... On attend de fabriquer une guitare. Voilà. Tu vois, on a une bière. On a une bière, tu vois. Coupe la et caméra là... et on te montrera tout à l'heure. Tu vois, on commence par faire pour les frettes. Voilà, là, toi, on va mettre les cordes, là. D'accord. Et là, on va mettre les mécaniques. Toi, en fait, dans Guerilla Poubelle, tu fais rien. Ouais, je fais rien, mais je fais croire que je fais plein de trucs, en fait. Mais en fait, ouais, je fais rien. Parce que t'es tout le temps à l'affût du moindre truc. Voilà, du moindre détail. D'accord. Et en fait, non. Arrête, je vais lui flinguer sa gratte, tu vas pas prendre ça en direct. Si, il nous faut des preuves justement, c'est pour les avocats. Ah. Oh. Tu dévises des trucs. Voilà, pour les revisser dans l'autre sens et tout. C'est un métier de branleur, quoi. Il y en a qui se font payer pour ça. Ouais. Hein. C'est fou. Toi, t'es payé en canette de bière. Voilà. Moi j'aurais bien aimé un rappel de Guerilla Poubelle, mais non, il n'y a pas eu de rappel, alors tant pis quoi. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que ce mec aurait bien voulu être une fleur ou son ex ou peut-être ouais, mieux. Un soleil, j'aurais bien aimé. T'aurais mieux fait d'être Guerilla Poubelle en fait. Ouais, bah j'aimerais bien être Guerilla Poubelle, mais les Guerilla Poubelle, bah, ils sont pas cool, ils n'ont pas fait de rappel. Si on a fait un rappel. Arrête, on va faire un rappel. Un petit rappel. Bah ouais, mais c'est un rappel quand même. Et où le deuxième rappel alors, quoi? Bande de cupons, vous êtes des cupons. On est pas encore au niveau, quoi. Putain, c'est bâtard. Mais un jour peut-être. Faites-nous 7 rappels, 8 rappels. Merde. Là, on est à Belfort, on a joué hier soir. Avec Underground Railroad et ISP, donc c'était une bonne affiche, on s'est bien marré. Il n'y a pas grand monde, mais on est un mercredi, en semaine, semaine de la rentrée des vacances là ici. Donc il y avait quoi, ils ont fait 105 entrées, mais j'étais content. Le meilleur score qu'ils avaient fait en semaine c'était 70 pour l'instant, donc là ils l'ont battu. Et le pauvre Axel qui était complètement malade a dormi toute la journée. Damien, ouais, regarde. Des invités à la maroquinerie. Je ne sais pas. Faut déjà que tu puisses jouer à la maroquinerie, mec. Eh, hey, si c'est une meuf pour niquer, c'est non tout de suite, quoi. Vu comment t'as l'air en forme. Ils en est pas mal sorti quand même. Ouais, c'est vrai. Même plutôt très bien. Ouais. Après, on est venu ici à l'hôtel et ils ont fait n'importe quoi. Et le petit gars, il est à quel âge? Ah, c'est trop génial. La bande de connards. La grosse bande de gros connards. Ils ont bu des bières. Pat avait pas bu de la journée parce qu'il conduit, il s'est enchaîné 5 bières cul sec. 3, 4. Quelle descente. Ça pique, elle est trop fraîche. Encore une.
Oh putain, que la descente de fou. Bon bah je peux pas. Là, l'euro salvateur. Tu sais qu'elle est... Oh, c'est la troisième, tu sais qu'attention. Ouais, bah d'accord. C'est dur. Ah, c'est le gros salvateur, ça soulage l'impression. C'est le roi qui mousse. T'es un fou, mec. Allez. Une quatrième. Oui, qui sait? Qui sait? Bah, en fait, c'est les buts. Oui, bonjour. C'est Madame Cocheteux là-bas. Madame Cocheteux, c'est pour la pipe. Oui, bonjour. Mets la 11, viens faire. Mets les films. Écoutez, c'est complet. La dernière fois, vous avez foutu le bordel. Je suis désolé. En fait, faut que ça finisse à... On peut aller jusqu'à 4h. De toute façon, les gars... D'accord, oui, c'est ce qui me semblait. Mais c'est en fait, les enfants doivent partir à minuit. Ouais, c'est ça, les moins de 18 ans, parce que c'est avant minuit, quoi. D'accord. Et ça, c'est vraiment... On peut pas y couper. Non. Oh, putain. Non, non. Si, il faudrait genre pas boire de bière. Ouais, mais tu peux pas contrôler. Enfin, c'est... Tu vois la dernière fois le monde qu'il y avait? Tu commences à faire la police là-dedans. Hein. Non mais j'ai faut mais pas vendre d'alcool. Ah ouais, là, laisse tomber. Pierre, tu toute la soirée, c'est bon. Avec les crevards qu'il y a. Est-ce que les jeunes sont en dehors à minuit? Ils savent qu'ils doivent s'en aller? En sortant, on les briefe. Hein. Attention, de toute façon, à l'entrée, vous dites. Et puis nous, on le dira sur scène. Mec, en général, de toute façon, c'est facile à repérer. Ceux qui ont moins de 18 ans, ils ont un t-shirt guérillable. Donc c'est pas trop difficile à voir ce moment. Cherchez une bière, toi, là. MySpace de la show. On se laisse des trucs. Oh putain, tu fais flipper toi. Pipon miel. Pipon miel. On devrait faire un clip comme ça. C'est qu'on est trop nombreux. À mon avis, c'est lourd. Faut pas que tu mettes la clé, Damien. C'est vraiment ça. Salut, c'est Navigateur. J'ai pas le bon étage. Regarde la charge maximale. Omega top. Tu mets la clé au dos normalement en fait, c'est ça qu'il m'a dit. Ça va être sur d'autres. Ah non. Non. Attends. Eh, ça vous dit pas, on le fait en deux fouets. Ah, roll encore. Bah, c'est parce que j'ai bien compris les paroles, alors qu'ils vont. Je pense c'est de la merde. Les ascenseurs. Ah, on se fait plusieurs. Si ça marche, c'est pas ouais, mais. Des gens là après. Ah oui, en fait, c'est parce qu'on est trop. Bah oui, 5 personnes. Et puis vite, puis tout ailleurs. Au revoir. Peut-être. Tourner. Et maintenant, il s'appuie sur le bouton. Et si t'appuies sur le bouton? Appuie vraiment sur le bouton. Laisse la tourner. Laisse tourner. Tourne-la. Et il faut que tu la laisses tourner. Tu tournes et t'appuies. Oh putain. Là, tu l'enlèves. Appuie. Non, c'est le deuxième. Appuie. Oh ça. C'est ça, c'est en 12ème. Attention. Excuse-moi, vous descendez. Je monte avec les autres, après vous suivez. Ok. Ça va pas marcher, hein. Parce que regarde ce que vous avez fait. C'est vous qui entendez jouer là tout le temps et puis... On est dans le dortoir de l'usine à Genève. On va tous dormir là. Et en bas, en fait, c'est une grosse teuf électro. Une espèce de grosse boîte de nuit pourrie où il y a plein de monde sous extra. Et ben, nous, on va essayer de dormir. Et il y a un truc qui est massif. Hey, salut. Hey, Maline, s'il plaît, là-haut sur la colline. Te l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. C'est une vraie merde. Oui? Oh, tu voulais mettre compresseur et t'as mis la merde? C'est exactement ça. T'as un G-son toi? Non. Ok. Je fais juste ça pendant les vacances. Ouais, ils sont...
Donne-moi ta caméra. Voilà, enfin. Voilà. Faut qu'il arrête de filmer des conneries, ce mec. Hein. Trop bien. Je vous conseille le toboggan à tout âge, c'est génial. C'est une chanson, elle est pas terrible, mais on va la jouer quand même. Elle est dédicacée à Marion qui m'a prêté sa guitare. Est-ce qu'ici ma guitare elle marche pas dans ce bled, je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de pays, c'est une question qu'il y a des putains de chemins de fer qui passent de l'autre côté du mur avec des gros câbles électriques comme as, avec plein de trucs, et ma guitare elle aime pas. C'est ça. Ah ouais. Ça c'est pas un Larsen, c'est juste là je. Là on fait rien, on joue pas. Juste c'est. Voilà. C'est relié aux tensions. Ouais. La guitare est loin en plus. Ah, c'est vraiment. C'est même pas un problème de masse, y'a rien, c'est vraiment le micro qui chope la merde. Ça s'appelle la fin suffira. Assez récurieux, passé tôt devant le mort dépassé. Envie de pas à l'envers, tu suis sans avoir. Le camion s'est fait arrêter à la douane. Alors que nous on est passé, voilà, c'est trop cool. Et la dernière fois on s'était fait arrêter, ça avait duré trop longtemps pour dire une chose, je n'avais pas de la drogue. C'est sûr, vous êtes des vrais jeunes, vous avez de la drogue. Regarde ton ami, il a des dreadlocks, il a de la drogue. Et voilà. Et j'espère qu'ils ont. À mon avis, ils ont même pas. Enfin, peut-être qu'ils ont même pas déchargé le camion, peut-être qu'ils se font juste emmerder dans la douane. Et ça fait combien de temps qu'on est là? 40 minutes. Voilà. 40 minutes. Il fait 13 degrés, c'est trop. À 2 km. Voilà. Même pas de la douane, quoi. C'est la scène de cul. On est tous beaux en plus, on sent bon, c'est bien. La bonne chance, hein, et Tu... Ah, avec un peu de chance, t'auras peut-être une petite fouille. Oh, t'es déçu, j'espère. Une petite fouille anale. Alors en fait, apparemment, ils aiment pas la tête de Babou, ce qui est un peu normal puisqu'il a des dreadlocks, tu vois. Et donc, il y a un des douaniers qui a l'air con, qui a fait « Ouais, je suis sûr qu'il y a quelque chose, machin. Ouais. » Enfin, je vous raconte ce qu'on m'a raconté, donc si ça se trouve, c'est pas ça. Et apparemment, il a fait, est-ce que c'est bien légal de faire ça, genre, pourquoi? Et donc le mec a fait, ah ouais, et ben, enfin, faut faire bien chier. Est-ce que pendant le concert, tu peux surveiller que Joko, il boive pas ma bière? Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir, on les range ensemble et il les boit toutes. Regarde-le. Les trucs qu'on accroche sur nos pieds de micro, qu'on pose sur scène, c'est pas des reliques, des conneries comme ça, c'est des trucs qu'on s'en sert pour faire de la musique. Si vous êtes venu récupérer des cadeaux, allez plutôt dans un magasin de souvenirs, acheter des tours Eiffel en plastoc, ça coûte moins cher, vous ferez moins mal, vous aurez moins chaud, et nous on s'amusera plus, ok? Et surtout, c'est sérieux, j'en ai qu'un, je peux pas jouer avec un seul, faudra les récupérer s'il vous plaît. Ça va mec? Pareil que vous avez déjà joué là. Ouais. Tu peux me montrer où? C'était notre premier concert. Ouais. En fait, on jouait avec la tête d'affiche, c'était les Vents Passent. Et en fait, au moment de balancer, on a dit qu'on faisait de la peinture. Donc voilà, ouais. Fauteur de troubles. On a dit, non, pas de peinture, ça va abîmer le matos des Vents Passent et ça. Fait bon, bah on va jouer dans les chiottes. Alors on s'installe dans les chiottes des filles. Et voilà, on a joué là. D'accord. J'ai fait un grand dessin là-dessus. Et puis, c'était au tout début, donc il y a une gratte acoustique et Koj joue du trombone. Ah ouais? Voilà. Et moi des peintures. D'accord. Voilà.
les gens ils se rendent pas compte quoi. Ils se rendent pas compte de comment une batterie du batteur de Guerre à Poubelle peut être abîmée. Je vais leur montrer. Regarde. Approche, on voit le bois. Ouais. Il y a une petite ch'touille de peinture en moins quoi. Non. Elle est cassée. Mais tu lui fais vraiment un pansement en plus. Je te l'ai dit. Tu mets une petite compresse et tout. Une petite compresse pour arrêter l'hémorragie. D'accord. Tu sais que ça sert à rien ce que tu fais parce que la colle du gaffeur elle va sécher et quand tu vas l'enlever, bah, elle va arracher le vernis. Parce que j'ai mis un mouchoir. Ouais, mais tout autour. Mais autour de là, c'est pas pété. Ouais, mais ça va arracher quand même la peinture quoi. Quand ce sera sec. Mais c'est super malin de mettre du gaffeur sur une batterie quoi. C'est pas beaucoup poli. Hein ? C'est pas beaucoup poli. Bah ouais, comme ça tu viendras pleurer encore plus et tu diras Ah, il faut m'acheter un Tommy Gu. Mais on m'en achètera un en plus, c'est ça qui est bien. Ah ouais ? Ouais. Je pense que tu te mets le regarde, genre, cas, genre ouais, jusque là quoi. Jusque là. Mais tous ceux qui sont soignés de leur matériel, ils me comprendront, tu vois. Imagine, genre, 100 par soir, quoi, je Médiator. Ça coûte 50 centimes un Médiator, mec. Ça fait 100 euros de Médiator par soir. Je m'en fous de ton père. Qu'est-ce que tu veux que je joue avec ça? C'est quoi ça? C'est pas mortel. Ils me gonflent avec leur histoire de Médiator, tu peux pas savoir. On dirait qu'ils viennent, leur seul but c'est d'avoir un Médiator en rentrant chez eux. Alors qu'ils auraient pu voir un bon concert. On en refait une ou non? Ils ont pas l'air. Tu vois, moi je parle. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon bah rentrez chez vous hein. Je sais pas s'ils en ont après mes seins mais ça me fait flipper un peu quoi. En fait, on n'est pas populiste. Hein. Hey, ça sert à rien les micros en fait. La gueule, enchaîne. Hey, les chaînes, c'est dans ta tête ouais, seulement. Les chaînes, c'est pour les prisons. Et... Ouais, pour là-bas. Les chaînes. Allez, c'est parti, ça s'appelle Bar. Merci. Allez, vas-y. Je vais avec ma grosse. Elle va se faire une petite beauté avant. Faut que j'aille aux toilettes. Je dois quand même signaler que on a souvent vanté les capacités d'organisation des Allemands, ça, surtout pendant la guerre. Hein, on trouvait que c'était très fort. Mais leurs autoroutes sont gratuites, certes, mais vraiment, vraiment pas terribles. Hein. Voilà. Je suis très engagé comme garçon. Je sais pas de quoi il parle. Alors j'ai mis si jamais, la révolution, la grosse chatte, coin coin, tous pourris, Dieu est mou, mais miaou, merde, salope, enfoiré de fils, ça fait presque deux putes des bois, aux lettres d'amour, vieille raclure. D'accord. Et c'est pourquoi en fait ce papier? C'est pour la GEMA. C'est l'équivalent de la SACEM ici. D'accord. Mais il parle allemand alors on peut faire des bêtises. Ce soir on est à Boismont, en Lorraine. On a fait 8 heures de route. On a bu des coups, on n'a pas fait de balance là. Axel met un peu de temps à s'installer, mais c'est naturel. Hein. Là, je dois avoir un nez énorme en plus. Ouais, t'aimes bien ça, les gros nez. Hein. T'aimes bien quand c'est dans ton cul que ça frotte comme ça. Hein. Ça, tu le mettras pas sur le DVD, ok? Oh, dans un bonus caché alors. Ok, cool. Sentiments. Et on n'aime pas la guerre. Voilà. On joue pas aux petits soldats. Et alors Babou hier il m'a dit, il était pas encore sous, mais avant lui il me couchait. Je suis arrivé dans le bar, j'étais un peu mouillé, et j'étais comme ça, exactement comme ça. Et puis il me fait. Elle te va pas la veste de Teal. Oh là là, elle te va pas du tout la veste de Teal.
Pas les à moi. Ah. Je fais, c'est parce que je l'attache jamais. Je fais, ah oui, c'est pour ça. Voilà. Merci Babou. Il y a des corbeaux qui font un match de fou. Si c'est la route de Longueuil, je voudrais bien tourner à droite, sinon je suis la route de Longueuil. Ok. 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 Je préfère faire confiance en notre noble institution qui est la direction départementale de l'équipement en ce qui concerne l'affichage routier qui a de stupides GPS. Moi j'ai pas dit qu'on allait à Longueuil. Hein. On va à Longueuil ? Longueuil à nous ? J'ai dit qu'on allait à la station service la plus proche. Bah, c'est forcément à Longueuil. Bah non. Bah, peut-être pas, non. C'est con ça, hein? Non, j'ai réussi à dire. Il n'y avait pas écrit Longueuil. Non. On est bien d'accord. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse demi-tour? Super GPS. Non! Ok. Tu seras tout seul. Moi je le laisse faire parce que. Il y a peut-être moyen d'avoir une petite tournée de sandwich de l'autoroute. L'avenir. C'était une blague par rapport à. Oula, 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 oula. Ah, Zigda vient, montre-nous ta femme, ne me mets en automne. Ouh là là, ça y est. Moi, ma station service, elle était à 4 km d'ici et Longueuil, c'est à 6. Quel suspense. La limite, on sera déçus si on y arrive à la station. Ça ressemble à moi pas. Ah, ah. Ah. Oh, oh, oh. Ah, nous y voilà. Ouais, que de la première. C'est dans les montées en fait, hein. Les montées, c'est pas bon. Ils tous. Là, je pense que ça, ça va être, ça ne va pas marcher. Ouais, oh, c'est ce qui va nous passer tout droit. Oh, oh, oh. Ouais, ok. À droite. Hi-ha. Voilà. Sandwich d'autoroute. Bravo. Je suis sûr qu'on est à 2 km de la station en plus. Moi je veux un salami Kaiser. Comme le sandwich. C'est pour déformer, on sait jamais. Kaiser. Tu vas noyer. Qu'est-ce que tu veux noyer? Et puis d'essence. Noyer. Ah putain, j'ai écouté Diams pendant 20 minutes. Ah, vous vous êtes fait prendre? Je me suis fait prendre par un mec. Par lui. Je suis resté. En fait, le mec il nous indique comment on fait, puis tu sais, genre, mais là vous avez bien pour 2 heures à pied, hein, facile. Hein. Et je fais, y'a personne de vous qui a une voiture? Il fait, ah bah moi il y a une enfidence, y'a toujours moyen de s'arranger. Qu'est-ce qui doit s'emmerder? Bon, si on faisait des trucs intéressants, genre retourner à Paris et aller voir des vrais concerts. Eh, hey, t'as déjà mixé un groupe de punk dans une cathédrale? Le solo dans une cathédrale, c'est magnifique! C'est étonnant cette classe? T'es prêt? On va rien voir. Oula, merde. Mais si, mais si. Ah, tu veux du spot? Putain, c'est où? Du spot? Ouais. Regarde. Ah. C'est pas, c'est le 23. On met 23. Allez, voilà, vous avez un truc et... Ça fait rien. Elle est prête à goûter. Maintenant, non. Maintenant qu'il est pris 3 galets de plus et tu vas voir. Attends, franchement, je te donne toutes les pièces qu'il y a dans ma poche, si tu vois. Ok, vas-y. Même pour de la date qu'on veut, je t'en mets. Non, mais à toi, mais à toi. T'as combien? Eh, t'as des billets, mais j'ai rien du tout. Non, j'ai mis les pièces. C'était la faciale. J'en ai mis un peu sur les côtés. Oh là. J'ai une chanson, ça parle de beaucoup de choses. Ça serait trop long à vous expliquer, on va juste la jouer. Ah, bah, d'accord, bah, entends avec ton cœur, ok? Ça c'est immense, ça c'est bien ça. C'est comme ça qu'on rend des livres. Quand les gens l'achètent avec le cœur.
Bon, on se casse faire des trucs. Quoi comme genre de trucs? Je sais pas, boire du rhum. Silencieux. Je peux te mettre un chewing-gum pour les cheveux? Non. C'est pour le film, c'est pour le DVD, ça va être trop drôle. Il y aura une histoire, je te mets un chewing-gum dans les cheveux, t'es pas content, tu fais la gueule et on est obligé de te raser, oh là là. T'imagines le truc dans le DVD? Allez, sois cool, quoi. Fais la star, merde. C'est pas rock'n'roll, hein. T'imagines la séquence que t'auras pour toi tout seul pendant 2 minutes au moins. D'accord. C'est le plan qu'ils nous ont envoyé. C'est quoi le direct? Tu vois là où t'aimes? Ouais. Et puis ça c'est le plan Mappy qui a été préparé. Ah ouais, il manque un H. Mort. On s'en branle, non? Putain, mais y'a même pas de... Mais c'est trop petit. On est pas dans la bonne ville. Y'a même pas de... Ah merde. Bon, on peut aller pisser et fumer une clope en même temps. Ouais. D'accord. Bon. J'ai une bonne nouvelle, on est pas loin. Wouhou! C'est là, le stade! Merci qui? C'est bien Axel, merci Axel. Wouhou! Je sais pas si vous l'entrez, moi. Bon alors, où on rentre? En fait, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ou... Attends, mais c'est pas là. Hein. Ah non. Attendez, chut! Salut, je m'appelle Chamoul, je suis l'ancien batteur de Guérilla Poubelle. Je me suis barré parce que c'est un gros groupe de vendus. Parce que voilà, moi, faire la couverture de punk rock, je trouve ça absolument pas que bon. Pour ça, moi, je me barre pour jouer dans des caves et pas vendre plus de 5000 albums parce que sinon, c'est trop de la merde. Il a dit, faut aller tous là-bas voir Guérilla Poubelle. Non. Si? Non, non. C'est ça? Si, si. Non. Il a dit, les mecs, oubliez pas, à 1h10, Guérilla Poubelle là-bas. T'as pas entendu? Il a dit ça, sérieux, il a dit ça. Hein. Baby Shambles, apparemment, ils ont annulé. Donc il lui proposait de passer sur la scène 2 en face, la grande scène. Mais, Syl, qu'est-ce que t'as dit quand on a proposé de passer sur la scène 2? J'ai dit. Non. Voilà. C'est bien ça. Et après reprendre l'école, pistache chicotimique. D'abord arrêter le chimique, pistache chicotimique. Et après reprendre l'école, pistache chicotimique. Mais je sais plus la suite. Pistache chicotimique. Vous me laissez pisser, bordel. De voir comment tu vas faire ce montage, comment tu vas, parce que tu vas te galérer, t'as tellement de trucs. Bah ouais, et c'est ça aussi. Tu sais que tu joues un peu ta vie sur ce coup là quand même. Je sais. T'as intérêt à faire un putain de truc, sinon on va trop te pourrir. T'as intérêt à ce que ça soit mieux que celui que les DNCO. Tu vas saouler le type des retours. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit moi qui décale et les mecs du plateau, y'a pas moyen. Il décale quoi? Toutes les lignes. Non, mais non. Bah en fait on reprend. T'as arrangé? Ouais ouais. On reprend le patch du début. C'est-à-dire l'initial ? Celui qu'on a fait tous les deux là. D'accord. Ah d'accord. Parce que. Non mais parce que c'est n'importe quoi pour les mecs du plateau, c'est n'importe quoi. Les mecs ils vont lutter à faire deux patchs l'un à côté de l'autre presque. Enfin,
Arriver en 15, va falloir qu'ils aillent rebrancher un kick, c'est nain. Donc T'es d'accord, c'est ça ou ouais, j'ai dit. Hein. Cool. J'ai dit, faut pas faire galérer tes mecs du plateau outre mesure non plus. Quoi. 1, 2 Ils sont en forme derrière là. Ça va les mecs? C'est les farfadets, les ouais. Lutins. Ils... Si c'est vous la culture! Dernière, on jouait à Dour et il y avait un mec, mais on l'a énervé. On aurait dit qu'on avait violé son chien, tu sais, sa mère. On avait coupé sa mère en deux devant lui, tu vois, quand il avait 7 ans, tellement il nous haïssait, quoi. Mais genre, c'est vrai, il était énervé, c'était tout rouge, et tu sais, genre, tellement énervé qu'il était genre. Il avait des trucs de dégoût, des trucs comme ça, genre. C'est comme... impressionnant. On fait que de la musique. On aurait dit qu'il était un meeting du Front National et que le mec venait de décapiter un mec. Et que. Ouais, et qu'on venait de le condamner à mort, quoi. Tu vois, on était un juge, on venait à toi, t'es mort. Et le mec, genre. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Peut-être. C'est parce que sur le même t-shirt, devant, il y a Exploited, et dans le dos, crasse. C'est un mec qui a tout compris. Donc, même fois que je cherchais le plaisir. Et mec, t'as écouté les disques de crasse, t'as lu les livrets? Enfin, est-ce que t'as bien. Enfin, tu sais, tu viens nous insulter et tout, ok, mais est-ce que t'as bien tout compris déjà au punk rock avant de venir? C'est pas ça, c'est juste que si tu marques. C'est comme si tu marquais blanc devant et noir derrière, quoi. L'inverse. Ça, c'est pas de concept. Oui, mais c'est. C'était oui, peut-être mais si un tu concept, marques, peut-être qu'on est largué. C'est un qu'on peu marqué Punk's Not Dead et Punk is Dead derrière. C'est ça, bizarre, c'est un quoi. Peu marqué j'aime Staline et j'aime Hitler dans le dos, quoi. Bon, ça, c'est pas forcément. C'est un peu j'aime Staline et j'aime Lénine. dans le dos. Trotsky, voilà. Sur l'épaule. Donc on joue dans une heure. Donc, si j'ai bien compris, on joue dans environ, enfin pile poil une heure. Voilà. Moi je suis locataire d'un HLM, monsieur. Ah ben voilà. Un locataire, en monsieur. Locataire, c'est mieux en fait. C'est mieux d'être locataire. Dans un HLM, monsieur, locataire. J'ai pas de vouloir non plus. Bon, ça joue les anarchistes et tout, mais c'est un propriétaire d'un pavillon en Essonne, tu vois ce que je veux dire. Heureusement qu'on me paye. 200 euros de l'heure pour faire ça. Le meilleur groupe de punk rock du monde.
On est tous d'accord avec vous. Vous m'aimez. Vous êtes heureux. Eh, juste un truc, les copains. Les copines aussi, mais surtout les copains. On n'est pas une saloperie de groupe de néo-métal à la con, donc des espèces de bravates à la noix là. On n'est pas là pour se castagner la gueule, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et le concert, on le fait pour les petits et pour les faibles, pas pour les gros costauds qui foutent la merde. Ok? C'est mon blaze. Je suis un sale tailleur de merde. Il n'y a pas d'endroit où se brancher. Il y a genre trois groupes, quand je vais avant nous sur la scène, ils savent toujours pas où sont les prises. En fait, je constate un truc, depuis que Cham est parti, salut Cham, ils sont devenus complètement idiots. Salut idiot. Pardon. Ah, je sais pas, on l'a toujours fait cette blague de quand on monte dans un escalier qu'il faut pas faire de bruit, de faire chut, chut, vachement fou, c'est vachement rigolo. Tu dis qu'on va écouter Faits divers, quoi. Merde. Parce que le matin, quand je me réveille, au lieu de faire un jogging, je fais un tour du périph. On joue à minuit ? 23h. 23h ? Ah, c'est bien, je pensais que j'en jouerais plus tard. Putain, cool. On a peut-être une chance de pouvoir dormir une heure ou deux avant d'aller au boulot lundi. Ça fait une fois. C'est toujours pas lavé ni brossé les dents depuis 4 jours. Hein. Il y en a qui rêvent, hein. Là il y en a, ils sont là, oh guérilla poubelle, ils sont beaux, oh, j'aimerais bien tout. Non, sale, mauvaise haleine, on a tous des petites boules de crotte accrochées encore au cul, c'est horrible. Faut pas, pas les filles, non. Les mecs aussi, hein, je sais qu'il y en a. Alors on a un gros dilemme, c'est que pour retourner au Japon, on peut emmener qu'une seule personne en plus des 4 personnes du groupe. T'entends ? Damien va sortir. Voilà, ça c'est fait. Moi je vous emmène, je vais me tuer sur la route. Damien qui sort. C'est toi qui conduis l'avion. Aniel a été éliminé aussi. Axel, malheureusement, on est obligé de l'emmener avec nous. Il reste le dilemme entre Fifou, à votre droite. Qui c'est Chou, 47 ans. Qui fait le DVD et qui est en train de filmer en ce moment. Et Babou, notre ingénieur du son. Babou, 38 ans. Pour éliminer Babou, composez le 0604. Envoyez un texto. Envoyez un SMS. Avec écrit Babou, dehors. Envoyez Babou. Un texto avec écrit Fifou aux chiottes. Fifou aux chiottes ou Babou dehors. Je suis content parce que on a quasiment pas eu à parler à Coche du voyage. Ni Damien d'ailleurs, il est devant. Qu'est-ce qui est fait, tu peux tout ce qu'on dit, mais putain, c'est toi qui choisis. Quel qui se moque de nous. Je t'aime, mais je te tue. Je te dis adieu, est-ce que tu me mens. Je sais que tu as tout prévu. Pendant une cache dessus. Oh yeah. Je Puisque tu sais, est-ce que
いよ作るから。J'essaye, tant bien que mal, de rédiger le compte-rendu de la journée pour le blog. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus aberrant. Mais déjà, c'est un clavier de Mac, je suis pas habitué. Et en plus, c'est un AZERTY japonais. Un QWERTY japonais. Et Yakoj, il arrête pas de toucher à tous les trucs, il m'embête. Il déplace des trucs, il veut mettre des trucs avec sa grosse bite et enculer des gens. Et il fait exprès de dire des gros mots parce qu'ils comprennent pas et ça l'amuse beaucoup. C'est lui. Moi je l'ai fait. Mais tu le fais aussi. Tu l'as suggéré avant, gros bâtard. Ouais, mais c'est toi qui as dit la grosse chatte. C'est ça l'espèce de navet que je mangeais là autour. Ça c'est de la soupe avec du tofu. Oui, mais la soupe elle a goût de. Ah, tu trouves que ça. Je trouve que ça a la même couleur que la bière. C'est ce que tu disais à midi. Non, il y avait dans mon plat, il y avait une espèce de tranche de navet blanc. Une patate japonaise. Ouais, voilà, la patate japonaise. Ben, ça vous dérange pas, je vais arrêter de filmer parce que j'ai faim. Ah bah non, t'es venu pour quoi, mec? T'es venu pour manger ou pour faire un DVD? Ouais, on va dire ça à Damien et Babou et ils vont être contents. Il est où Damien d'ailleurs? T'as vu? On part en concert, ils prennent une glacière avec des bières dedans. Ça. Même Burnout, ils font pas ça. C'est ça. マキさん自らこのコヨとこの女の子の洋服をコーディネートして、うん、くださったんですよ。はい。しかも今日は私のご自身がこのスタジオにお越しくださっています。はい。こんにちは。こんにちは。よろしく。ハヤト。よろしく。ヤ。ヘロ。 On est arrivé, Georges. C'est de la grosse balle. Ah ouais? C'est tout petit, mais c'est cool. Hein. This is what we need, but the amp guitar is there. Yeah. And the guitarist is at, on the front. 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 Middle. Ah, front. Here? Yeah? Yeah. Bass here. Bass here. 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 Yeah. Lead. Lead and guitar. Lead guitar. And here, just backing, without any guitars or nothing, because we have a painting. He paints. Painting. Ah, yeah. Painting. So paint, guitar, drum, bass. J'ai voulu une toilette et j'ai été étonné. Alors on vient nous apporter un cadeau de la part de fans qui sont dehors apparemment, qui vont descendre tout à l'heure. Ils sont où? Alors on va l'ouvrir. Oh! Il nous reste plein de concerts ici, je sais pas comment on va faire. On sait pas jouer, on sait pas chanter, on sait pas parler japonais, on est foutus. This is funny, but no one understood. It's not fun at camp, what is it? We are scared. Si. J'aime bien. Non, on recommence pas parce que la dernière fois que t'as fait ça. Ah, quel gros dégueulasse. J'ai un gros Mickey sur ma caméra. Attends, je l'enlève. Mais non, y'a rien. Par contre, ça m'a bouché les oreilles de souffler du nez comme ça.
Si tu bouches une narine, c'est de la triche. Kanpai. Champagne. 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 You'll see, in Belgium, they do that. Quoi? T'as vu la surprise? It's strange to think about that. On est surpris parce qu'il y a, en fait, dans toute la salle où on va, bon, on a fait que deux pour l'instant, il y a un putain de matos, genre un ampli basse de fou et un ampli guitare super bien. Et en France, c'est pas du tout ça. Quand il y a du matos, il est tout pourri, c'est des vieux amplis 10 watts grands comme ça, qui font comme ça, et là, il y a une batterie brinque-ballon. Des super matos, c'est super cool, et apparemment, c'est ça partout au Japon, et c'est normal de comme ça. D'ailleurs, Cocktiche, qui ont l'air d'être un groupe pas mal, ils tournent en Twingo avec leur guitare seulement. Ils avec leur guitare. Ici c'est un coin super sympa, mais à partir de 11h du soir, c'est les Yakuza qui prennent leur lait. Et ils sont pas très contents, ils sont en costard noir, tout ça. On sait même pas si on n'ose pas l'air commode parce qu'on n'ose pas les regarder. Voilà. Mais on nous a dit que c'était ici, à partir de 11h, c'est envahi Yakuza. Et à partir de minuit, c'est la grosse baston, les règlements de compte, des merdes. Et il est 11h30 et il faut qu'on se dépêche de partir. Apparemment ils se sont foutus de notre gueule, hein. C'est que des théâtres de comiques.
C'est pour ça qu'ils sont en costume, c'est parce qu'ils font du standing comedy. Et c'est que des rigolos. Comme le mec qui passe, voilà, lui, par exemple, c'est un très... Non, je ne fais pas ça. les rigolos, il ne faut pas les filmer ici. Sinon, après, ils sont plus drôles. Ah, c'est des gros rigolos. Ils sont funky. Bah, je préfère pas vérifier, tu vois. On est tous morts. On est tous morts. À quoi tu sers? À quoi tu sers? Je t'aime encore. Je t'aime. À quoi encore. Ça sert? On est tous morts. Ok. À quoi tu sers? Je t'aime encore. À quoi ça sert? Tu mets de mots. One, two, three, come back! Je crois qu'il se fout de ta gueule là. Je crois bien. C'est toi le Mocha MS. Go. Regarde. Pour 3 personnes, c'est genre les lits. Regarde les lits. C'est. Ah ouais, c'est rapproché. Hein. Et la salle de bain, mon pote. Tu peux te laver les mains, chiant. Tu peux prendre une. Tu peux te laver les cheveux en même temps que tu fais pipi et que tu te laves les mains. Magnifique. Il y a moins de trucs par terre qu'en France. Ouais. C'est ça qui est fou. Quoi? Regarde devant toi plutôt. C'est bon ça. はい、OK です。フローお願いします。
Axel. Il y a quoi dans le métier? C'est pas que je crois en rien, je crois plus tout court, ça me convient. Je sais pas si moi je peux toi. Tiens-toi. Vas-y. Il y a une fille qui m'a donné ça. On est au 5e concert là, au Japon. Ouais. Elle est venue tous les soirs, elle est encore là ce soir. Elle m'a donné ça. C'est celle qui avait apporté le cadeau aussi. Le premier jour qui avait apporté les gâteaux, les huîtres, comme dirait Koch. D'accord. Elle s'appelle Matsumi. From Matsumi. C'est mignon. Et c'est une photo qu'on a prise avec elle hier. On est tous complètement moches. Sauf Koch, mais il manque la moitié de sa tête. Parce qu'il est trop grand. C'est merveilleux dans ce pays quand même. C'est quoi toilette? Après avoir fait ta petite ou ta grosse commission, tu tires la chasse d'eau. Et là, la chasse d'eau se remplit à travers un petit lavabo. Tu peux te laver les mains. Hop, comme ça. Et l'eau que tu utilises pour te laver les mains après t'être torché, hein, on peut dire le mot, sert à remplir la chasse d'eau. Donc une économie certaine. Là je dis bravo. Thank you.
no mistake. Yeah. Maybe, maybe. Yeah, yeah. Yeah, yeah, great. Thank great. You. You're French! Yes! You're so fucking French! Yeah, just Justin Français! Woo! Get it up! Yeah! Merci beaucoup! Arigato! C'est le number one! Thank you! Thank you! Thank you! I hope maybe you again. Come to next year. I hope, Japan. I hope we come tomorrow. Next time, next time. You'll be there. Yeah. And I give you CD. Oh. Free CD for you if you come back next time. Ah, yeah. Okay? Yeah. Arigato. Arigato. Take care. Take care. Goodbye. Thank you. Yeah! Thank you, guys. Arigato. Thank you. Take care. Picture. Ils sont fous ici, hein. Il y en a qui me touchent le cul en ce moment, je sais pas qui c'est. Ah, c'est Koj. Fuzati. Salut. Hey, Fuzati. Ouais, je suis signé sous le signe du V. Jackpot. French. Yeah, c'est bon. Bonjour. Sophie Marceau. Yeah, merci pour vous. Nice. Today, Fight for we are right. November. Yes. Au revoir, Japon. See you in France. Yes. Take care. Yes. My brother. Salut Fifou. Ça va? Ouais. On va jouer à Tetris dans quelques instants. Pour l'instant, c'est un peu vide. Ouais, mais ça va être très plein. Ouais. Comme moi ce soir. Là, on a de quoi vivre pour 2-3 jours, quoi. Ouais. Deux, trois jours. Bah, on a Eric, en fait, dans l'équipe. Donc, Eric et Médé, c'est quand même des gros mangeurs. Il suffit de regarder la proportion de leur chemise. Ils m'ont tout appris, hein. Moi, ça, c'est des belles petites fesses dures, là. Comment tu penses que ça vaut, ça, à Québec? Comment tu penses que ça vaut? Je sais pas. Ça vaut très cher. Sans face, là, il y a une rue qui s'appelle Saint-Joseph, là, proche, là. Puis ça, là, ça vaut au moins 200 piastres la nuit. C'est gay, je vais montrer un truc, on cherche Damien. Ouais. Regarde-moi ça. Production office. This way. Allez, un petit sas pour pas qu'il soit dérangé par le boucan qu'on fait dans les loges. Ouais. Bon alors, bizarrement, c'est plus la fête ici que dans les loges, mais bon. Il est sympa ton bureau, mec. Ouais. Je présente Jean-Michel, le propriétaire des lieux, quand même. Bonjour. Chanté. Salut. Voilà. C'est grâce à lui qu'on est là. Hein. Ah si, quand même. Ça se passe bien? Ça va très bien. C'est joyeux ce que je dis. Ouais, on a pas le droit de faire assez de bruit, mais c'est bien. Pourquoi? Bah, c'est la loi. Allez, 105 dB. Mmh. Ils étaient à 104 sur la façade, rien que la scène. Ce qu'il faut, c'est simplement essayer de baisser dans des proportions raisonnables pour que ça reste confort pour vous. Ne serait-ce que pour que si vous démarrez, quand vous allez démarrer, vous puissiez avoir un peu de marge pour monter un peu après. Parce que, je veux dire, avec ce niveau-là, au bout de 25 minutes, déjà, vous avez la moitié de vos oreilles qui sont parties. Hein. Je vous le dis quand même pour info. Mais je veux dire, il y a vachement de sons qui sont partis déjà. Donc, si vous démarrez là, si vous démarrez un concert à ce niveau-là, en une demi-heure, il vous faudra deux fois plus de sons. Est-ce que...
sans vouloir t'en aller, je suis désolé, je sais que tu t'ennuies tout là-haut. Perché, ils sont tous assis autour de toi. Mais vraiment, on a besoin de plus de lumière entre les morceaux. Et les trucs qui gesticulent, ça nous fout vraiment les jetons. On a l'impression que t'appelles Batman ou un truc comme ça, quoi. Ah, mais déjà là, lui, avec sa truc là. Avec sa truc. Casse-toi. Pourquoi? Parce que tu te la fous dans le cul, tu fais l'agneau. Et tu vas pas nous emmerder avec ça ce matin. Si je vais dans un bateau, c'était dans sur une péniche, vers de la Seine. T'as l'air en forme, mon babou? Ouais, j'ai dormi, ça change. Damien, t'as l'air moins en forme. Il a dormi? Comme d'habitude. Babou, y'a un problème. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais pas. Bah lui, il m'aime plus. J'ai envie d'être désagréable. Enfin, il m'a jamais vraiment aimé, mais là, il le montre. Donc, la franchise me touche aussi, hein, mais j'ai juste envie d'être désagréable, c'est tout. Je pense que demain, je jetterai mon dévolu sur quelqu'un. C'est pas faire sur Axel, putain, c'est quand même pas plus drôle. Ouais, mais c'est trop habituel. Après, c'est pas facile aussi, ce petit. Pico, j'ai encore moins. Joko, mais non, Joko, c'est ton pote. Fichou. Bien, ça, Fichou. C'est vrai. Fichou, de toute façon, il est trop con, quoi. C'est ce mec-là, je peux pas le supporter. Tu l'aimes bien, toi, coach, Fichou? Tout le monde est là, là? Ouais. Japan, Québec, France, on est parti. Ta gueule, ta gueule. Allez les Québécois, d'accord. Allez les Japonais. Bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue. Et donc c'est Nico. 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 Today. November. Yeah. Gilly la poubelle. Coquettish. Panic. Yeah. Comment on dit merci en japonais? Arigato. 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 Arigato for you. Sorry, we are your problem. Qui fait donc fracas de fil ou pas d'upstyle et c'est rigim. Inspiré par tant de couleurs, je m'imagine. Une vie stylée pour tous les frérots épangiles qui ont tellement évolué qu'ils ont oublié leurs racines. C'est peut-être pas la solution, mais je crois savoir ce qu'il nous faut. C'est peut-être pas la solution, mais je crois savoir quel est le mot. C'est du Rootsman, Roots qu'il nous faut. C'est du Roots, Woman, un retour aux racines. Je vais me mettre avec mes parents. Oh. Tu te couches pas trop tard ce soir, hein? Non. Ah ouais? Papa, maman. Papa va te barder. Papa, maman. Oui. Que je vous dise quelque chose. Oui. Je suis homosexuel. C'est pas grave. Je savais depuis le début. Ah. John Wayne was a Nazi who liked to play SS. C'est vrai? Voilà, je suis nu. Oh, je suis tout nu. Oh, je suis tout nu. Et hop, je me rhabille. Mon gars, il est si caché par ça. Je roule ça, ce sera pas long. Il est prêt tout. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une pause entre l'égrenage et le roulage. Je passe de 10 minutes. Bah, 15 minutes. Il dort.
Yeah. Je t'ai donné du whip, tu le roules. Hey, yeah. Est-ce que bonne toi, il est venu bonne dans Belgique. En fait, il s'est endormi en roulant. Aïe, t'as pas eu le temps de rouler dans le cul. Les danses violentes et les connards qui veulent montrer que c'est les plus forts avec leurs gros poings, leurs grosses épaules et leurs gros manteaux et leurs t-shirts Muriel Poubelle. Non, parce que il y a vachement de gens tout sympas avec des t-shirts Muriel Poubelle, j'en ai vu. Ils osent même pas rentrer dans la salle tellement vous êtes méchants au milieu. Ok, montrez-leur que le beat ici, c'est pas un truc de blaireau, c'est un truc pour les gens cool. Regarde, ils sont en train de se mettre sur la gueule, on joue même pas. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a des gens dehors, mais il y a plein de places ici. Et si vous rentrez, ils se mettront pas sur la gueule. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de fermer les yeux pendant un concert. Pensez à ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir un public qui s'amuse en face, pas un public qui se tape sur la gueule. Même si vous, ça vous amuse. Nous, c'est vraiment pas comme ça qu'on voit la musique et qu'on voit le punk rock, ok? Ouais. De Mayenne! Tu écoutais pas ça, ces astitunes-là, c'était assez plate, Chris. Traduction? C'est pas très bien. Qu'est-ce que tu nous as ramené là en fait? Écoute, je t'ai préparé un petit mélange de bière belge, donc il y a un peu de tout. Je te pensais pas de même, toi. T'es beau! On a voulu faire les personnes économes en amenant la bouffe qu'on n'avait pas mangée, et puis le résultat, ça coule partout. C'est un peu dégueu. T'as vu le jus qui coule du camion? Regarde cette jolie couleur. Ouais. Et là, on lave tout, hein? Les t-shirts, les bobettes pleines de traces de break et les bas qui puent. Traces de break. Ah oui, les traces de break. C'est pas ce que c'est, des traces de break? C'est des pets sauce. Avec Bouli, on vient d'avoir une très bonne idée. Pour pas perdre le médiator pendant le concert, on accroche une petite ficelle, tu sais, comme les moufles là, les gamins avec qui passent dans les manches. Du coup, quand tu le perds, bah, hop, et puis tu le rattrapes. Je pense que tu viens de les décourager avec ta caméra. Bah oui, c'est ça, mais je cherchais Julien et mon sac. Julien ! Sac ! Il est pas là non plus, merde. Voilà. Et voilà. C'est la fatigue de la tournée. Bonne fin de soirée. Ça soupe de skidou. Les gars, les gars. C'est soupe de skidou. Il est 10h30. Ah, ouais. J'attends la soupe. Ah, d'accord, oui. Eh bien, oui, vous pouvez voir ici des Japanese style. Imaginez-vous quand ça n'a jamais dormi pendant 2-3 semaines. Puis nous autres au Québec, savez-vous qu'on fait pour les réveiller? Regardez bien ça. Et... Oh! Yo! Check here! Oh yeah! Shake it! Et voilà, c'est réveillé. Dans 10 minutes, on part. Come on! Come on! Come on! Come on! Winner! C'était bien l'entraînement? Je crois qu'on a fait un beau match. Je crois que le coach nous a dit de rester concentré. Je crois qu'on était bien sur les lignes, mais malheureusement, ils sont très physiques en face. Je crois que... Ça va être dur pour la deuxième mi-temps. Okay. Merci, je vous ai passé un bonjour à ma grand-mère. Okay.
la répugner quand j'ai vidé la baffe du micro. Attends, t'as vraiment vidé? Ah, il y avait ça. Il y avait des gros claviers, c'était j'ai pas vu. Et serrez-vous. Et serrez-vous. Et après. Et serrez-vous. Oh. Quand je vous dis qu'il y a de la bave là-dedans depuis le début du concert. Non mais bon, ils essayent au moins de faire semblant quoi. Moi ils essayent d'apprendre la politesse, c'est déjà pas mal. S'il te plaît. Moi ils arrivent pas tous quoi. Hey, s'il te plaît. Hey, s'il te plaît. Hey, s'il te plaît, je t'aime. Hey, hey, viens, dis-le. Guérilla Poubelle en tournée au Québec, ou pas. D'après une source proche du dossier, l'ingénieur du son et le vidéaste du groupe auraient été interpellés par les services de l'immigration. Avec cette tête-là, difficile en effet de passer inaperçu. Suite à l'interrogatoire, les autorités découvrent le poteau rose, les sujets viennent pour jouer avec une bande de musique. Ils n'ont ni permis de travail, ni validation d'emploi. Au final, la petite bande est réexpédiée en France, la queue entre les jambes. Hey, ça roule ! Hey, c'est moi qui chante ! C'est le dernier concert de la tournée ce soir. On espère qu'on en est là et qu'il y a autant de monde. Merci. C'est l'anarchie pour les ados. T'arrives à le tourner à ton auto. T'as une suite, t'as un t-shirt size. Comme il vous fait le flou en chat. Sur nos flingues, avec les plaques de mort qui enflent, la force vicieuse au ciel, en marre dans la mer. Hey, salut! Non, c'est cool. Ah, ouais, ça fait plaisir de remettre un petit coup. On va jouer pas mal de nouveaux morceaux et ça s'appelle Punk Rock Is Not a Job. Yeah.